السلام عليكم. اليوم غنخدمو الامتحان الجهوي الموحد لنهاية شهادة السلك الإعدادي يونيو 2021 في مادة اللغة الفرنسية. النص اللي عطاونا سوفونيغ دونفونس ما ميغ إكخي لوتوغ مو غوتوني ألا ميزون. غوتوني اللي هي غاردي ألا ميزون. إل نيتي با سيفير سيفير سي دور مي لي فام ساف ميو كو لي زوم لي نيسيسيتي d'un ménage. Je pouvais déjà travailler, rendre quelques petits services. Le temps qu'il épargnait s'est conservé. Grâce à moi, était toujours autant de gagner. Dès 5 heures du matin, il était à sa machine et pédalait jusqu'à 11 heures du soir. À 10 ans, j'étais un apprenti assez habile. Habile, c'est compétent pour qu'on ne me laisse presque plus le temps de jouer. J'avais encore la charge du ménage. Je lavais la vaisselle. Vaisselle, c'est assiette bien en plat. Je récurais les casseroles. Je pelais les pommes de terre. Il fallait bien, comme il disait, que je prenne le goût du travail et elle l'ajoutait. Qu'on ne le prend jamais assez tôt. Il est vrai que j'allais à l'école, c'était une sorte de libération. Il est vrai encore que je jouais quelquefois. Tous les gosses de la maison se donnaient rendez-vous pour jouer aux soldats dans le couloir du rez-de-chaussée. Mais une heure ne se passait jamais sans qu'une porte s'ouvrait sur le palier. Tous nous faisions silence et nous attendions un nom tombé par la cage de l'escalier. Comme une pierre, celui qui avait été nommé montait en promettant de revenir et il allait gagner son pain. D'après Jean Gouino, journal d'un homme de 40 ans, édition Grasset, 1934. Panduzo, la compréhension. Lisez le texte attentivement et répondez aux questions suivantes. 1. Complétez le tableau suivant. Maintenant, le titre de l'œuvre, c'est Journal d'un homme de 40 ans. Le nom de l'auteur, c'est Jean Gouino. Maison d'édition, c'est Grasset. Date de parution, 1934. 2. Quels sont les personnages du texte? Les personnages de ce texte sont l'auteur, sa mère et le gosse de la maison. 3. Ce texte est A. Cocher la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte narratif ou bien argumentatif ou bien injonctif? C'est un texte narratif. B. Relève du texte un indice qui le montre. واحد الدليل اللي كيبين لنا بانه نيجاتيف. لانديس كيلومونتر سون لي طون دو ريسي اي لي فيرب داكسيون او باسي سامبل. 4. ريبوندي بار فري او فو. لوتور ايمي ليكول واش عزيز عليه المدرسه؟ وي سي فري. سا مير ترافايي موان دو 2 اور دورون لا جورني. كتخدم قل من 12 ساعه في لا جورني. سي فو. Les événements de l'histoire se sont déroulés avant 1934. C'est vrai. La famille de l'auteur est pauvre. C'est vrai. 5. L'enfant n'a presque pas le temps de jouer parce qu'il aide beaucoup sa mère. الطفل ما عندوش بزاف الوقت حيت ما عندوش الوقت يلعب حيت كيعاون امه. Tu exprimes ses sentiments sur cette situation ou bien tu dis ce que tu penses. Pour le machaïr de la kala, al hala ou d'akshi li katan. L'enfant est malheureux car il ne joue pas beaucoup avec ses amis et travaille à la maison et l'atelier. 2. Langue et communication. 1. Complétez le tableau suivant par l'expression convenable. La comparaison, le but et la cause. A. Le temps qu'elle épargnait grâce à moi était toujours
Autant de gagner, c'est la cause. B. Un nain tombé par la cage de l'escalier comme une pierre. Nana comme Flost. Djel Jumla, yani, c'est la comparaison. C. Tous les gosses de la maison se donner rendez-vous pour jouer aux soldats. C'est le but. D. Il allait gagner son pain. Veut dire jouer pour gagner ou bien travailler ou bien acheter de pain. C'est travailler. Cochez la bonne réponse. 3. Il est vrai que je jouais quelquefois, mais une heure ne se passait jamais sans que m'appeler. Quelle idée est exprimée dans cette phrase? Wesh la cause, la comparaison, la concession. C'est la concession. 4. Choisir la valeur exprimée par le temps du verbe souligné de la liste suivante. Simultanéité, description, habitude, action longue et durable. Ma mère n'était pas si verte. C'est la description. Et c'est même l'imparfait. Dès 5 heures du matin, ma mère était à sa machine et pédalait jusqu'à 11 heures du soir. C'est action longue et durable. 5. Conjugue les verbes entre parenthèses autant qui conviennent. A. Quand j'étais enfant, je faisais le verbe faire. C. Je faisais toujours le ménage. B. Je jouais avec mes voisins devant la maison quand soudain ma mère m'appelait. C. M'appela. 3. La production écrite. Vous avez le choix entre deux sujets. Non, le premier sujet, le deuxième sujet. Le premier sujet, généralement, les enfants aiment passer beaucoup de temps avec leurs amis de voisins, de voisinage durant les jeux d'enfance. Il t'est certainement arrivé de vivre une expérience qui t'a énormément marqué. Raconte en quelques lignes de 8 à 12 lignes ce que tu en gardes comme expérience enrichissante et souvenir inoubliable. Sujet 2. Nous avons tous des amis que nous avons rencontrés dans des circonstances différentes. En quelques lignes de 8 à 12 lignes, présente ton ami en racontant quand et où tu l'as raconté. Pour ta rédaction, ces éléments peuvent t'aider. Tu précises les circonstances, le moment, le lieu et le temps. Tu décris brièvement les habitudes partagées. Tu racontes les principales actions que tu as l'habitude de faire. Tu exprimes ce que tu ressens maintenant à propos de cette expérience. La réponse au sujet 1. Quand j'avais 10 ans, il y avait une pandémie du coronavirus. Par conséquent, tout le monde devait rester à la maison pour ne pas être infecté par cette maladie. Un jour, je rencontra aux escaliers mon ami qui habitait au premier étage de la même maison où j'habitais au deuxième. Nous nous discutâmes de trouver une façon pour jouer. Nous arrivâmes à se mettre d'accord de jouer au toit de la maison. Nos parents n'étaient pas d'accord au début, mais nous les eûmes convaincre et nous les promîmes de respecter les règles sanitaires contre la propagation du virus. Alors, tous les 3 jours, nous jouions notre jeu préféré, le karaté. Nous faisions des échauffements et apprenions une kata chaque mois. C'était notre sport 2 fois par semaine. C'était ces jours-là que j'ai compris la grande importance d'avoir un bon ami dans la vie que tu trouverais pendant les moments difficiles. C'était des souvenirs inoubliables. Réponse au deuxième sujet. Pendant les vacances d'été, nous sommes allés rejoindre la famille à Marrakech.
Le trajet a été long, mais nous étions contents d'être arrivés et de pouvoir enfin tout nous retrouver comme chaque été. Nous descendons les bagages de la voiture et nous les montons dans les chambres. Comme chaque année, il me manquait quelqu'un de mon âge pour m'amuser. Du coup, je m'ennuyais un peu. Mais bon, je m'occupais en jouant avec les petits. Et puis, ça faisait leur plaisir, ainsi qu'aux parents qui se sentaient à l'aise parce qu'ils n'avaient pas les enfants dans leurs pattes. Un jour, nous sommes allés nous détendre sur la plage de Agadir. Les parents se baignaient pendant que je jouais au volet avec mes trois petits cousins. Soudain, l'un de mes cousins lança le ballon sur la tête d'une fille. Il se leva pour rapporter le ballon. Alors, je m'approchai d'elle pour s'excuser du dérangement. Elle accepta mes excuses et c'est ainsi que nous sommes devenus des amis. Depuis ce jour, on se revoyait tous les étés car il est devenu ma meilleure amie de vacances. On passait de super moments ensemble et nous ne nous sommes jamais arrêtés de se parler. هنا كيسالي الفيديو ديالنا ما تنساش معاك واحد اللايك وتشترك في القناة الى باقي ما اشتركتيش وشكرا للمشاهدة ديال هذا الفيديو.